sur toute ta vie. Wow. T'as pris ta rifle là. Wow. Oh. Mais j'ai fait quoi? Wow, mec, il fait 4 degrés dehors. Oh, oh lourd. Oh, ça fait du bien. Allez, à demain pour la course. Bon, j'ai trouvé la lumière. Mais bon. Putain, c'est grand. Merde, j'ai allumé la lumière, mais j'espère que... Ouais, j'ai déjà allumé. Ok. Bon, ça y est, là on est bien. On a rangé toutes les affaires. Petit Gauthier. Avec un petit démo 8 par ici. Le Touillez, le petit Scott et le Kona. Eh mais franchement, regarde, quand tu regardes le top tube du Kona par rapport au démo, le démo, c'est le triple en taille. C'est un truc de dingue. Il ne m'écoute même pas. Et là, oh, qu'est-ce qu'il fait chaud là? Qu'est-ce que c'est bon? Oh, la tuerie quoi. Allez, au dodo quand même. Hein. Et hop, un écran pour me voir. Quand je déconne, ça se trouve, je vais pas fumer. Et là, il y a une petite double qui est fortement sympa. Sur le plat. C'est pas grave. Ce matin, j'avais plus de batterie de GoPro, donc j'ai rien filmé. Donc bah tant pis, hein. On va pouvoir faire ça cet après-midi. Et la piste, elle est vraiment tip top. On a tout passé. Non, il nous reste les doubles de la fin. Et qui, là, on va passer là, maintenant, ça va être cool. Il y a le putain de drop après les grosses marches, je crois que c'est là. Non, après le mur. Oh, il me fait trop surprendre. Donc on va aller voir ça plus près. Il y a Jérémy qui arrive. Allez, Jérémy. Oh, Jérémy, il est chaud. Le long va brûler un cierge. Le vélo. Ouh. Wow, d'ici, on a une vue d'enfer. Regardez en face, il y a le puits d'eau, mais là il est un peu couvert là. En face, il y a le... À la beau fond? Ouais, là-bas en face. Ok. Et là, c'est un peu couvert. Bon, le but c'est de quand même pas se fouler une cheville sur le bord de piste quand même. Ça va arriver. Il a le même vélo que toi. Je vais m'envoyer une pierre. Je le savais. Coucou. On a fait les reconnaissances directement à vélo, pas à pied. On a quand même fait quelques doubles à l'aveugle. On s'est dit, bah, allez, ça passe. Bah les couilles. Hein. Voilà. Donc là maintenant, c'est l'heure de la sieste. Et l'après-midi, on va pouvoir accélérer un peu le pas quand même. Parce que bon, ouais. Tout à l'heure, on a environ 2h15 de reco. Donc on va pouvoir vraiment accélérer le truc et tout passer cette fois. Comme ça, demain, on va faire une reconnaissance, qu'il n'y aura pas le temps d'en faire deux apparemment. Et on enchaîne avec le run number one et le run number two. Posé in the car. Et on attend que ça se passe. Bonjour. Un peu trop. Mais bon, ça va faire. Oh, il y a un... Ouais. Il y a un petit vent là. Allez, fonce poulet. Je vais attendre que Gauthier clipse. C'est bon? Ah oui, j'ai rien dit. Vas-y. Ok, let's go. Wouah, ça poussière. Oh, ça bouchonne. Oh. Ah. Attention. C'est YouTube, ça. Wouah! Premier.
Bien que je pédale avant. Et puis les gens avec le camion de vélo. Oh, désolé. Du calme, ça va arriver quand même. Magnifique. Merci. Vas-y. Le Baptiste. Il est là. Tire toute ta vie. Ah, wow. Ne jamais faire ça. Mais t'as vu ce qu'il a fait devant moi? J'ai pas vu. Bah je pouvais pas y aller. Putain. Merci les gars. Wow, wow. T'as pris ta rip là? Regarde la jambe, c'est fait. La jambe. La jambe. Oula. What the fuck? T'as fait quoi? T'as fait comment? Wow. Ah bah elle est morte. Ouais. T'as fait quoi? Mais là y'a rien à faire. Je suis pas, je suis pas fou, hein. Bah y'a un moment où ça fait un petit peu en longueur et j'ai... God damn. Prends ma paire d'euros. Ouais bah... Oh, on tape un bon grain de, du mois de mars là. Franchement c'est pas grave, hein. Au moins ça, ça va rendre la, la, toute la poussière en mode bonne terre. Bon, les recos sont finis. Ça. Hein? On a pas trop mal roulé. Ouais. Non, non, c'est, on est bon, on est bon. Demain il va falloir trouver les petits trucs, enquiller un petit peu plus. Il va falloir attaquer. Mais là après on en a fait beaucoup, tu vois. Bon, oui, on a... partout. Ouais, on a fait une dizaine, je crois. Chambre à air, chambre à air, chambre à air. Pas les renforcer, ils font que les standards. Elles sont là. Ouais, mais je regarde les vélos. Ils sont beaux, les vélos. On roule avec ça, la DH. Non, mais... C'est la merde. Je crois que j'ai mis le doigt sur le micro. Donc ouais, je te disais que Jérémy a refait le chiffre d'affaires de l'Intersport de Brioude. C'est parti. On est parti pour Brioude. On a eu du givre ce matin. Mais on est prêt là. Allez les gars, c'est parti là. Il est 7h35. À 8h on est à la Rocco. Magnifique, on a une vue sur je sais pas quoi comme montagne en face là. Tu sautes tout en bas? Je vais tout prendre là. Ouais en bas ouais mais pas. Oh. Oh putain, c'est impossible de s'arrêter là. Mais j'ai fait quoi? Bon, Rocco fini. Ah, le DD. Putain, attends, j'ai mis au point. Voilà. Il vlog, ma man. Bah ouais. Donc du coup, la reconnaissance bijou. 4 Rocco, c'était vraiment pas mal.
Qu'est-ce que tu veux toi, monsieur Onise, ma main. Et Gauthier qui est derrière, qui stand. T'es en train de vlogger? Ouais, vloguer. C'est quoi, c'est encore un terme du sud? Non, c'est juste un jeu de mots, tu vois, vloguer. Bon allez, moi je vous laisse, c'est l'heure du premier run. Allez, Jérémy! Allez, pédale, c'est bien. Bon, alors, premier run, je fais 2-0-1, donc franchement pas trop mal. Puis après, sur le deuxième run, je me prends un arbre. Donc je perds pas mal de temps, je fais 2-6 au final. Alors que mon run était encore plus dingue. Enfin bon. Mais bon, Brio, c'était franchement stylé. Pure course. Voilà, on verra si on y retourne l'année prochaine, mais... Maintenant, on a 4h30 de route. Tchou!